Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous expliquons et résolvons le livre de la langue française pour les élèves de 5e année primaire. Je lis, je comprends la page 15. Séquence 1, la gazelle. Sifra 15, akra'o wa afham, je lis et je comprends. Séquence 1. La gazelle. Ou el gazelle. Kadour, Kadour, regarde la gazelle. Elle est là, debout devant le ruisseau. Superbe et vivante. Elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. Elle se mouille le museau, le front, le poitrail et bientôt toutes les pattes. Puis, la bête regarde fixement Kadour. Elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent. Elle frissonne. Enfin, il caresse la gazelle. Elle n'a plus peur de lui. Elle est encore toute mouillée. C'est une bête fragile. أو شرح هنا الغزالة لا غزال تاني الغزالة قدور أو كدور كان يشاهد الغزالة أو يشاهد الغزالة elle est là إنها هنا debout devant le ruisseau الآن أمام النهر superbe et vivante يعني جميلة ونشيطة أي حية فيها الحيوية والنشاط. Elle allonge lentement le cou et son petit museau. إنها تحرك ببطء رقبتها le cou et son petit museau. Le museau هو هذا عبارة عن الفم وهذا هو عبارة عن الأنف والفم. هذا هو le museau. Le museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. يعني le museau تلقى قطرات ماء منعشة أو باردة. Elle se mouille le museau. يعني بللت. Le front أو الجبين. Le front هو هذا هذا. Le poitrail et bientôt toutes les pattes. Le poitrail هو هذا et bientôt toutes les pattes وأيضا كل رجليها هي لديها أربعة أرجل ثم أصبحت ترى أو تشاهد قدور فيكسمو أي بثبات. Elle commence à s'agiter بدأت بالخوف. Ses pattes tremblent, elle frissonne, أي ارتعبت وبدأت رجليها ترجف أو ترتعش. Enfin, il caresse la gazelle. في الأخير أصبح قدور يداعب بالغزالة. Elle n'a plus peur de lui. لم تصبح خائفة منه. Elle est encore toute mouillée, ما زالت مبللة. C'est une bête fragile. C'est une bête fragile. أو هي حية أو كائن هش. ما معنى هش؟ هش أو فراجيل. أعيد قراءة النص. Kadour regarde la gazelle. Elle est là, debout devant le ruisseau. Superbe et vivante. Elle allonge lentement le cou et son petit museau. Reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. Elle se mouille le museau, le front, le poitrail et bientôt toutes les pattes. Puis, la bête regarde fixement Kadour. Elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent. Elle frissonne. Enfin, il caresse la gazelle. Elle n'a plus peur de lui. Elle est encore toute mouillée. C'est une bête fragile. 1. Lire
le texte, puis écris la phrase qui correspond à l'image. ثم اكتب الجملة التي تبين الصورة هنا نعبر عن الصورة لا dans cette photo il y a une gazelle هناك غزالة et la gazelle est debout devant le ruisseau الغزالة واقفة أمام النهر هو أعطاني خيارين la gazelle est debout devant le buisson ou la gazelle est debout devant le ruisseau أي النهر في النص ماذا قال لي قال لي ألي لا وتعني ألي أي الغزالة debout devant le ruisseau إذن هذه هي الإجابة الصحيحة وهي الغزالة واقفة أمام النهر la gazelle est debout devant le ruisseau c'est la bonne réponse هي الإجابة الصحيحة Relis le texte de Isnam. Relis le texte, puis recopie la bonne réponse. Relis le texte, أي اقرأ النص مرة أخرى. ثم انقل الإجابة الصحيحة نحن كنا قد قرأنا النص. لدينا comment est la gazelle? Comment est la gazelle? كيف هي الغزالة? قال لي surprenante. Et vive, surprenante et vive, ou superbe et vivante. هنا في النص ماذا قال لي؟ قال لي superbe, superbe et vivante. أي مليئة بالنشاط والحيوية. إذن هذه هي الإجابة الصحيحة. أي كل شيء هنا نستخرجه من النص. Superbe et vivante. Avec ta ou ton camarade. Trouve les mots du texte qui correspondent aux images. أنت أو مع زميلك أو زميلتك زميلتك جد أو جدي الكلمات من النص التي تمثل هذه الصور. لدينا جبين، لدينا أرجل، لدينا الميزو، لدينا البوتخاي. الآن قال لي لا غازيل سموي. يعني الغزالة بللت ماذا؟ نرجع للنص في النص قال لي elle se mouille أو la gazelle elle هنا تعني la gazelle أو الغزالة elle se mouille le museau j'écris le museau ici c'est le museau c'est ça hawa le museau الذي يشمل الفم والانف هنا le museau c'est quoi ça ma hawa هو le front أو الجبين le front c'est quoi ça c'est le poitrail le poids et les pattes et les pattes. Le gazelle bellelet le museau, le front aljabine, le poitrail ou hava et les pattes ou arjoul ou arjoula et ses pattes. Quatrième question, pourquoi la bête regarde-t-elle Kadour fixement? Ou لماذا كانت تشاهد قدور بثبات؟ نرجع إلى النص. نص ماذا يقول؟ يقول puis la bête regarde fixement Kadour أي ثم أصبحت تشاهد قدور بثبات. Elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent, elle frissonne. أي بدأت رجلاها أو ساقها ترتجف خافت. نكتب question 4. La réponse, الإجابة. Car, أو parce que. Car, elle a peur
car elle a peur de lui. لأنها خافت منه. الآن الجزء الثاني من السؤال الرابع question 4 ou la quatrième question ou quatrième question. Que fait-elle? Que fait-elle? أو ماذا فعلت؟ نرجع للنص. في النص قال لي elle commence à s'agiter. نكتب elle commence. Elle commence à s'agiter. Elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent. Aurijlaha tartaishana. Ses pattes tremblent. Elle frissonne. Elle frissonne. Elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent. Elle frissonne. Puis la cinquième question. Puis qui caresse la gazelle? Qui caresse la gazelle? Là, dans le texte, on a une fille. On a parlé de Kadour. Kadour caresse la gazelle. On a parlé il caresse la gazelle. Il a yudaib al gazelle. Man. Il huna yani biha Kadour. Donc, on a écrit cinquièmement. C'est Kadour qui caresse la gazelle. C'est Kadour qui caresse la gazelle. La 6 choisit la bonne réponse. Ou ikhtar l'ijaba sahiha. A. Le texte raconte l'histoire de la gazelle. Annas yarwi qissat al-ghazala. Ou le texte décrit la gazelle. Ou annas yasif al-ghazala. Huna fi annas mala qala li? Qala li elle est superbe vivante, yani mali abnashat al-hayawiyya. Qala li c'est une bête fragile. Huwa yasif li al-ghazala. Elle allonge gentiment le cou. C'est une bête fragile, superbe et vivante. Elle se mouille le museau, le front, le poitrail. 6. Le texte décrit la gazelle. Le texte décrit la gazelle. أو الناس يصفوه الغزالة. الإجابة الصحيحة هي الإجابة B. Le texte décrit la gazelle. Là, relis le texte. Puis en deux phrases, présente la gazelle à tes camarades. Tu peux faire un dessin. اقرأ الناس مرة أخرى ثم في جملتين عرف الغزالة. تعريف بسيط. À tes camarades les zomalaïk. يمكنك أن تضع رسم أو أن ترسمها. مثلا أنا أعطاني مثلا أصف الغزالة. La gazelle. La gazelle est un animal sauvage. Sauvage أو حيوان متوحش. و مثلا الغزالة ماذا تأكل؟ الغزالة ماذا تأكل؟ أو على ماذا تتغذى؟ تتغذى على العشب. إذا نسميها عاشبة. نقول عنها herbivore. La gazelle est un animal sauvage et herbivore. Elle vit تعيش dans la forêt. تعيش في الغابة. Elle a deux cornes. Elle a أو لديها deux cornes, قرنين, quatre pattes et
Le museau roi. Elle est superbe et vivante. وتاني هي فيها الحيوية والنشاط. وفي الأخير نقول elle est أو c'est une bête fragile. C'est une bête fragile. هي حيوان هش أو حساس. فراجيل وتعني هش أو حساس. Tu peux faire un dessin, يعني هذا اختياري يمكنك أن ترسم الغزالة. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.